signe multiplicatif X, 24e lettre de l'alphabet latin X consonne X, occlusive vélaire X a une fréquence moyenne d'apparition de 0,387% dans les textes français X Lettre double, équivalente à deux S, comme dans Bruxelles. X, marque d'exception de certains pluriels, bijoux, cailloux, choux, genoux, hiboux, joujoux, poux. X, lettre numérale. En chiffre romain, X vaut 10, surmonté d'une barre horizontale. X vaut 10 000. En Grèce, X-Y valait 600 ou 1000 selon les époques. Inséré dans Pi, X valait 5000. Au XVIIe siècle, Athanasius Kircher, philosophe, mathématicien, physicien, créa un alphabet numéral dans lequel X valait 300. X, variable. Chaque variable... Est le signe d'un concept formel, car chaque variable représente une forme constante que possèdent toutes ces valeurs et qui peut être considérée comme propriété formelle de ces valeurs. C'est ainsi que le nom variable X est le signe proprement dit du pseudo-concept objet. Ludwig Wittgenstein. 0 1 1 1 1 0 0, un X minuscule dans le langage binaire. 0 1 0 1 1 0 0 0, un X majuscule. X, le croisement, né sur l'axe des diagonales, partage de l'espace, nord-est, sud-ouest, nord-ouest, sud-est. X, le chiasma de l'œil, le croisement des bandelettes optiques. Qui permet la vision binoculaire chez l'homme. X, le chiasme de la rhétorique, une figure de style de forme ABBA. B, B, a. Exemple, il y a bien de la différence entre une sage-femme et une femme sage. Antoine Furtière, Dictionnaire universel, 1690. X, le sablier en un temps X, l'heure X, le jour X, depuis X années. Lorsque l'on reste assis deux heures avec la jeune fille que l'on aime, on pense que ça ne fait qu'une minute. Mais lorsqu'on est assis seulement une minute sur un fourneau bouillant, on pense que cela fait deux heures. C'est la relativité. Albert Einstein. En chimie, XE, xénon, est un gaz de l'atmosphère. En microphysique, l'unité X est égale à 10 puissance moins 13. L'axe des X abscisse. Depuis 1631, X est l'opérateur du produit cartésien. X, première des trois inconnues. Je perçois non des analogies, mais des homologies. Je constate par exemple que je suis à X ce que Y est à Z. Roland Barthes. X symbolise les mathématiques. Un fort en X est un fort en maths. X, l'école polytechnique de Paris. Un X, un élève de cette école. L'astronomie X étudie les sources X galactiques, les sources X binaires, les sources X à sursaut, les pulsars X, l'hypothétique planète X située aux confins de l'univers. Le clair mène à l'obscur. L'obscurité mène le clair. Paul Valéry. En typographie, la hauteur d'X est l'espace compris entre le jambage et la hampe d'une police. Quand il leur manquait une lettre pour compenser un texte, les typographes la remplaçaient par un X. <laughs> Dans l'écriture musicale, X, double dièse, <coughs> élève <coughs> la hauteur d'une note de deux demi-tons chromatiques. <coughs> en 1950, Pierre Boulez composa Polyphonie X pour 18 instruments, X évoquant le croisement des paramètres musicaux. À sa création en 1951, <coughs> au festival de donau l'œuvre fit scandale. Boulez, la retira définitivement de son catalogue. En botanique, X a collé un nom de plante désigne un hybride. En généalogie, X, entre parenthèses, qualifie une liaison hors mariage. En héraldique, X est le sautoir, une pièce honorable du blason. X, la croix de Bourgogne. Au Moyen Âge, X pour 10 symbolisait le décalogue. X indiquait le dimanche dans le compute ecclésiastique. Il disait qu'il n'y avait qu'un antistrophe entre femme folle à la messe et femme molle à la fesse, Rabelais. X sur les panneaux de signalisation routière. Attention, croisement. Dans le balisage des sentiers de randonnée, X met en garde. Mauvaise direction. Dans le Code international des signaux pour la navigation en mer, le pavillon X prévient. Arrêtez vos manœuvres et veillez mes signaux. Dans le Code international d'épellation, X se prononce X-ray. Le syndrome X désigne un ensemble de symptômes qui accroissent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d'AVC. <laughs> syndrome de l'X fragile, maladie génétique responsable d'un retard mental héréditaire, touche un homme sur 4000 et une femme sur 7000. En 1976, un mystérieux virus X apparut au Soudan, provoquant la mort de milliers de personnes. Par la suite, il fut rebaptisé fièvre <coughs> ébola. <coughs> Chromosome X1 chez l'homme, 2 chez la femme. XX sexe féminin en biologie. Rayon X radiation de très petite longueur d'onde et de très grande fréquence qui accompagne la radioactivité. 500 runguns de rayon X provoquent la stérilité chez l'homme. X, sexe indéterminé. Mention autorisée depuis septembre 2011 sur les passeports australiens pour les transsexuels. X, symbole de l'inconnu. Monsieur X, Madame X, naître sous X. Plainte contre X. Information contre X. Lettre anonyme signée X. X, signature de l'analphabète. Charlemagne, qui ne savait pas écrire, signé d'un X. Tout est dit de la lumière qui aura eu raison du temps. Et tout est dit du temps qui n'en finira jamais d'engloutir la lumière. Denis Roche. <coughs> X remplace le préfixe X, ex, extra, extreme, XXX, ex, 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 extra, small, XXL, ex, ex, extra, large. Et depuis la vague d'obésité, XXXXL ex, 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 extreme, 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 extreme. Les noms qui se terminent par un X au singulier ne prennent pas de marque de pluriel. Exemple, les prix augmentent toujours. Becherel, la grammaire pour tous un x de soutènement consolide un mur fissuré sur un voilier l'x sert de support à la baume lorsque la voile est affalée traiteau en x tabouret en x pont en x pas <coughs> faire comme... x comme chacun sait est une quantité inconnue mais dans le cas présent il l'observa avec raison il y avait une quantité inconnue de x edgar poe un paragraphe en X. Dans une maison à colombage, X correspond aux deux pièces de bois assemblées à entailles l'une dans l'autre. Fait de pointes de bois, l'X sert aux militaires à barrer un passage. X, ce sont les épées croisées, c'est le combat. Qui sera vainqueur On l'ignore. Aussi, les hermétiques ont-ils pris X pour le signe du destin, les algébristes pour le signe de l'inconnu, Victor Hugo. Les jambes en x se touchent à hauteur des genoux, ce qui est considéré comme fort disgracieux. Marqué d'une croix, c'est tracé un x, croix d'écussée ou croix de Saint-André, sur laquelle cet apôtre fut martyrisé dans la ville grecque de Patras. Aujourd'hui, taper croix de saint-andré sur un moteur de recherche oriente vers des sites sadomaso dont la croix en X est devenue l'accessoire privilégié. Depuis la fin des années 1960, marquée par la libération sexuelle, X désigne une catégorie d'œuvres, d'ouvrages, d'objets considérés comme pornographiques par les défenseurs de la morale. <coughs> Il souhaite les interdire aux mineurs, réactivant l'une des toutes premières significations du chiasme qui, grec, signaler un passage désapprouvé dans un manuscrit. En 1970, apparaissent les néologismes X et, et X sage relatifs au classement d'un film dans la catégorie X. X, ambivalence, lettres et ou chiffres, rencontres et ou divergence choisir en cochant la case et ou exclure en rayant de la liste redoubler x est la lettre qui écrit 20e siècle en chiffres romains symbole de ses ambiguïtés x croisement intersection carrefour échange embranchement réunion rencontre aller vers le mixage le surgissement de l'existence, la découverte de l'inconnu, la nouveauté. X, croisement, hybridation, mélange, au sens figuré, mélange ethnique, mélange de race, métissé, matiné, qui n'est pas de race pure, xénophobie, exclusion, expulsion, exil, exode, interdire, censurer, rayer de la liste le geste violent et sans appel de la double bifure. Exclu. Au Moyen Âge, on accrochait un X aux portes des maisons infestées par la peste, les croix de la peste, afin de mettre en garde la population. Dans la signalétique internationale, X prévient de la dangerosité, produits irritants ou nocifs. À partir de janvier 1892, le bureau d'immigration américain s'installa à Ellis Island situé à l'embouchure de l'Hudson River à New York. Un questionnaire en 29 points était soumis aux immigrants. Lorsqu'une personne était soupçonnée de déficience mentale, l'inspecteur traçait un X à la craie sur l'épaule gauche de son vêtement, signe qu'elle était refoulée. En 1945, ce même geste fut appliqué aux Polonais expulsés de la région de Cresu zone annexée par l'Union soviétique. Ils transitèrent à travers la Suède, identifiés par un grand X tracé dans le dos. S'opposer. En février et avril 1915, des soldats français et allemands s'affrontèrent sur la crête des éparges dans la Meuse. Chacun voulait s'assurer le contrôle de la plaine de la Veuve. À partir de ce lieu stratégique, le point X. Ainsi, une armée victorieuse est semblable à un demi-quintal faisant contrepoids à un grain. Une armée défaite est semblable à un grain faisant contrepoids à un demi-quintal. Sunze, l'art de la guerre. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine de corvette d'Etienne Dorve embarqua sur une escadre de la marine nationale française. Postée en Méditerranée orientale, elle devait empêcher une intervention de la marine italienne. Elle fut baptisée la Force X. Le Britannique Sir John Cecil Masterman dirigea le XX Committee ou Double Cross Committee. Rattaché au service de sécurité, durant la Seconde Guerre mondiale, il était chargé du traitement des agents doubles. Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu'il soutient. Mao Zedong. En 1943, Marcel Taillandier créa à Toulouse un réseau de résistance et de contre-espionnage, le groupe Morange. Ce groupe comptait 82 agents, dont 16 permanents, les agents X. X1, Marcel Taillandier. X2, Achille Viadieu. X3, Pierre Roux. X4, André Fonte. X5, Jacques Combatalade. X6, Léo Amar. X7, Paul Favre. X8, Maurice Colette. X9, André Audebeau. X10, Raymond Ruel. X11, Bronislav Doradzinski. X12, Pierre Labarthe. X13, Maurice Espitalier. X14, Pierre Salette. X15, Pierre Saint-Laurent. X16, Yvon Vallat. Marcel Taillandier, X1, fusillé par la Gestapo en 1944. En 1952, lorsque Malcolm Little, libéré, renonça à son nom d'esclave, il devint Malcolm X, il prit la défense des Noirs, lutta contre l'impérialisme jusqu'au 21 février 1965, date de son assassinat à New York. Au milieu des années 80, le groupe libertaire Action Directe décida de tuer par ordre alphabétique 25 janvier 1985 assassinat du général Audran 17 novembre 1985 tentative d'assassinat de Henri Blandin 15 avril 1986 tentative d'assassinat de Guy Brana 17 novembre 1986 assassinat de Georges Bess la liste fut interrompu par l'arrestation des membres du groupe en 1987. Qui devait être la victime en X Conduit par le lanceur d'alerte Hervé Falciani, le Partido X, issu du mouvement espagnol des indignés, fut crédité de 0,64% des voix aux élections européennes de 2014. En septembre 2014, le paléontologue Cliff Lesson découvrit dans la grotte de Gorham à Gibraltar la plus ancienne trace d'art pariétal abstrait attribuée à l'homme de Néandertal. Plusieurs centaines de passages avec la pointe d'un silex furent nécessaires pour entailler la paroi. Bien avant l'apparition du premier alphabet, les lignes entrecroisées forment des X qui ont 39 000 ans d'âge. En mars 2016, une violente explosion retentit à l'École nationale de police de Nîmes. Des hurlements et des cris de douleur se firent aussitôt entendre. Parmi les 1200 personnes présentes, certaines blessées, gisaient sur le sol. 700 secouristes et membres des forces de l'ordre participèrent à l'évacuation de ces fans de foot rassemblés pour l'Euro 2016. Cette simulation d'une attaque terroriste fut baptisée X-Ville. Le 11 septembre 2017, les indépendantistes catalans commémorèrent la Diada, date anniversaire de la dernière défense de Barcelone en 1714, avant que la ville soit reprise par les troupes du roi Philippe V. En convergeant à partir de quatre artères, près d'un million de manifestants tracèrent un X, symbole du signe à apposer dans les cases dit oui lors du référendum sur l'indépendance. Pour la modique somme de 45 000 dollars, vous pouvez acquérir l'un des 575 bunkers d'une ancienne base de l'armée américaine. Dans le Dakota du Sud, près de Black Hills. Chaque bunker d'une superficie de 200 mètres carrés peut accueillir entre 10 et 24 personnes selon l'aménagement réalisé. Ce repère de survivalistes hyper sécurisé s'appelle Axe Point. Le 17 août 2022, Suite à l'autorisation accordée par le gouvernement hongrois de défricher les forêts pour produire du bois de chauffage, des opposants se rassemblèrent à Budapest. Lors de la manifestation, bras levés, ils exhibaient un X rouge tracé au creux de la main. Dès la seconde moitié du XXe siècle, X fut revendiqué par la scène alternative, par les opposants au système. Il devint le symbole de la contestation de la contre-culture, les pilules Ecstasy. En septembre 1963, paraissait la première bande dessinée créée par Stanley et Jack Kirby, X-Men. Ces super-héros mutants devaient leurs pouvoirs spéciaux aux X-Gene. Les enfants, nés entre 1946 et 1959, appartiennent à la génération du Baby Boom ils grandirent dans l'après-guerre des Trente Glorieuses, bénéficiaires de la pilule contraceptive sans le sida, des jobs d'étudiants sans le chômage. Ils eurent même la naïveté de croire à la fin de toutes les guerres lorsque prit fin celle du Vietnam. La génération suivante, celle des enfants nés entre 1960 et 1981, fut baptisée. Génération X par les sociologues et les démographes. Après les Boomers, venait le temps des Xers, le temps de la désillusion, du rejet, du cynisme, comme le montre Douglas Copeland dans un roman publié en 1991, Génération X. Il ne s'agit pas de mettre la poésie au service de la révolution mais de mettre la révolution au service de la poésie guy debord les composés en x se répandaient déjà dans les titres de films x files The x list radio x au québec diffuse des musiques rock et alternatives la marque de vêtements x le parfum pour hommes Eccentric. n'essayez pas de comprendre prévient la publicité la bière blonde australienne du Queensland 4X, concurrencée par la Bitter Hell britannique 6X ou la 9X, les X Days, la manga japonaise X de Klemp, qui raconte l'histoire d'un jeune héros solitaire et totalement désabusé. X, récupéré par le marketing et la publicité, est accolé au nom de certains programmes informatiques de consoles de jeux. <coughs> x factor manège à sensation de la foire du trône à Paris. Ex-Games, <coughs> compétition de sport extrême <coughs> depuis 1994 <coughs> aux États-Unis. chez les constructeurs automobiles les moteurs X garantissent puissance, robustesse et fiabilité <coughs> <coughs> dès 1976 Sous l'impulsion de Billy Idol, X <coughs> paru sur la scène musicale <coughs> avec le groupe britannique de punk rock Generation X, <coughs> dont plusieurs titres décrivent l'état d'esprit nomade et désenchanté, l'éloge de la violence des Xers. <coughs> Ils furent nombreux à suivre. Ex-groupe punk de Los Angeles, Stunde X, leur X-groupe de punks allemands, The X aux Pays-Bas, les X-groupes de rap français, X, le groupe australien de punk rock, Planet X, le groupe californien de métal progressif, le Symphony X dans le New Jersey, le groupe londonien The XX, sans oublier, Ex-Japan, Tokyo. Durant leur concert, les spectateurs dansent en croisant les bras en l'air. Hum. Un autre groupe existait depuis 1987 aux États-Unis. Il ne portait pas de nom en X et défendait un autre genre de rock alternatif, le grunge. Dans un album sorti en 1991, une chanson connut un succès planétaire. Elle est toujours considérée comme l'ode à la génération X. Écrite par Kurt Cobain, Fondateur du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit, parle d'agressivité, de désabusement, de désespoir. Salut, 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 comment tu vas mal interroge le refrain, tandis que le morceau s'achève sur un dénégation répété neuf fois. Kurt Cobain s'est suicidé le 5 avril 1994. J'avais commencé à photographier des formes en X en juin de la même année, au hasard de mes déplacements. Peu à peu, X devint un mode d'exploration de l'environnement quotidien, une manière de contempler le réel, de s'attacher à l'insignifiant. La collection des occurrences de cette lettre numérale me conduisit jusqu'à la génération X avec laquelle. Je suis entrée en sympathie, comme on le dit des corps sonores qui entrent en vibration. Aujourd'hui, je tressaille au son des guitares saturées. X reflète la dynamique de l'homme de Vitruve, jambes écartées et bras en V, tendus vers le haut. X incite au mouvement, et comme l'aiguillage oriente vers une autre direction, le voyage d'exploration se poursuit à la recherche d'un lieu encore indéterminé. Dichotomie. Car une nouvelle génération succède à la génération X. Démographes et sociologues. L'ont baptisé Génération Y. C'est celle des enfants nés entre 1981 et 1994, appelés encore enfants du millénaire. Quel surnom enviable! Génération Y, le groupe démographique actuellement le plus important. Sur Internet, L'expression ouvre les portes d'un nouveau monde dont j'ignore encore tout. Celui des développeurs économiques, des managers, des DRH, les directeurs des ressources humaines. Les annonces prolifèrent. Comprendre et manager la génération Y, décoder la génération Y, colloque. Entreprise et génération Y, université d'été des recruteurs, attirer et manager la génération Y. Le kit de survie face à la génération Y. La génération Y bientôt dans votre entreprise. Génération Y, le cauchemar des RH. La génération Y bouscule les métiers du conseil. Comment les attirer Comment les recruter La génération Y désarçonne les entreprises. Génération Y pas facile à contenter. Entre X et Y, le monde aurait-il changé d'inconnu Sur une musique de Kurt Cobain, l'ode à la génération X. Désolée pour. <laughs> en 50 ans de publication orale, c'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est une façon de fêter un anniversaire. <laughs> Je suis vraiment navrée. <laughs> Merci. De Joyce, Liffeyon. Till tree from tree, tree among trees, tree over tree becomes stone to stone, stone between stones, stone under stone forever. Le 4 septembre, Antonin, considérant l'engendre humain, se périple papa-maman comme un esclavage, Nanaki du ventre, Deuphrasie, aux quinze rues du Jardin des Plantes. Ou peut-être s'agit-il d'Antoine ou d'Antoneo, tandis qu'Antonin, quelque peu antonyme, né de ses œuvres, se réincarne lui-même. Chaque livre une naissance, une régénérescence pour l'auteur. Or, il se peut que le livre soit morné. Il se peut qu'une mère croie avoir donné naissance à un canard dans un poulailler. Antonin voit le jour au quatrième et dernier étage du numéro 4, un 4 septembre, donc à Marseille. Lieu et date de naissance problématique. Faudrait débitouiller cette affaire. 4 plus 9 plus 1 plus 8 plus 9 plus 6 égale 37. Le jour de sainte Rosalie. Rosalia. Sainte Hermione, la rose d'Éphèse. Car un bouquet d'Antonin naît de deux roses, l'une blanche, l'une rose. Tembre après Tembre, un 4 septembre de nouveau, tandis que Rilke, piqué à vif par une épine contre lui, nomme Rose sa maladie létale, se fane. Rose qui naissant à rebours imite les lenteurs de la mort, le 4 donc, Ivan voit le jour, repélican à Vienne. Vient ensuite au monde de la villa Regenstreif, au 36-38 rue Pötzleindorf. Et quel chiffre pour lui 4 plus 9 plus 1 plus 9 plus 3 plus 6 égale 32 égale 5. Yvan s'est donc désentraillé d'Hélène Rose. Sankt Rosalien. Rosalinde, Rosalunde, Rosalune. Rosaline, la vie en rose, Rosa, via une rose in vine, puis Rosa, Roses damasque, Rotsuline sur l'île de Bratch. à bord du bac, il y a bébé Illich. Il y a aussi la première sonno, l'ampli mono de la voix commune qu'au fur les gens perdent, car qui est son micro sera réduit au silence. Grand-père Illich, satisfait de sa progéniture, ordonne que l'enceinte haut-parleuse soit ouverte il veut confondre le diable qui s'y cache un petit diable travesti en ange qui sait et pourquoi donc une rose est sans pourquoi nom de bleu Lame, cavité, dégoulinante d'abri, sous roche, frange cristallisée, liseré en sel végétal capture étagée, prime, primordiale, monde encyclopédie des forme de l'eau et des boucans d'air, bourdon, rouleau, fracas, tape, frappe, flaque, claque, clame, vapeur vague, vapeur, clapeur, vagisse, frémis, sointe, chointe, ruisse, crisse, Grondeur, rumeur, tintamère murmure murmure, teinte, râle, et porte, l'âme détonnant, thunder contre muraille, fluctueuse faume, sourde, mer énervée, aveugle, chambre, creux d'écho, et goutte à goutte à travers, lave controversée, flagre d'odeur, humide, hurle de vent, si fente, miel d'astère, strie gris de roche, brisure, schiste, nervure, gris de fonce, faux bruit des corps, prés coupés en tranches, reflet des rides, sous, plans, de clivage. falaises atterrées, refuges, et l'homme en trop droit devant l'avant, dessinant un rectangle imitant la nature. Cru, criminel table des rectitudes, sacrifice au grand lombrique marin, dragon peur bleu mêlé à l'envie d'y mettre un pied. orme, l'eau suffoque, bouillon tourbillon, quel cirque, abdomen soldérin un son fort, souffle en mots mouillés de terreur à désengourdir. Scène. Cliff sonore, théâtre de cruauté, atroce lieu des dieux sous les yeux, arrachant à la plainte l'énergie hors des phrases, gestes, feux, cris, lave, réveil avant de sombrer, état de cruauté appliqué, laps de vigueur évadé de lichens asséchés. Nem, nom des dieux, des dieux s'il n'y a de dieux, combat d'autres mondes qui remangent, Artho, à bout, à toute allure, sous éminence, moine, terrassier, des nerfs du cœur au poumon, au-dessus de cette thébaïde, damné astiquant le granit de stick de Patrick, Can, Chris Patrick, d'un brin rouge à treize nœuds, le magicien en lutte au désert, Nanaki ne cessant de brûler sans personne à... Folk qui prêchait, sinon le monstre des fonds, parlant au pire creux qu'est mère en pierre, cognant le bâton même contre vertèbre de terre, pour que crame le serpent de la fosse est les lions de feu, les rides de lion, au seuil du purgatoire à clé que saint Patrick tient. Ferme, fulminant, monté sur ses grands chevaux. Artaud dit parmi les derniers hommes, l'humanité devant fondre par l'eau et le feu. Grand, liquéfère les gens d'Aran croient la canne, magnétique bourré de secrets, où dort le prélat Killing, perplexe, à viser, Non murs multitude, de bastions néolithiques, ses domotique domotiques à torsadant le cadastre semant tout mouton noir. Tôt, trois arbustes, plein des mulines enterrées. Que ça fait du bien de voir un arbre, neuf maisons en surplomb, fenêtres à guillotine, celle du gardien, du phare aux trois cheminées, la porte en croix déportée à droite, arteau du heurtoir dur comme fer à cheval, frappe. Je. Entrant dans la maison à l'abandon, vif plongeon dans la grotte artolée, relique reliques sous plafond de bois bleu, zappant oblique, Plein d'ustensiles, un poil au salon étroit, petit Wartford bleu à turf, placard, meuble de toilette, un vaisselier bleu clair, puis la momie d'un chat invu d'abord beige, peau tendue par cheminée, sans poil, droit dans les yeux, creux à trous qui sait pourquoi il est chat, enlivré, mu sans organes, avec os, non fossile, attendant au secret, huit sans voix qui laisse de côté le coin des yeux, pattes de fuseau, Prenant allure d'oiseau, narine rideau d'os sur du derme, par où l'abîme aspire le regard évident, cycle par la voix, calciné d'artères et veines, tout ce calme dont s'ouvre la mort, au bureau sans entrailles, l'annexe des recherches, plainte, guturée, qu'on lui balance des chats à la gueule, Artaud en voit partout, au pied de la cheminée ou sur le couvre-lit, est-ce la beauté de la momie ou du poil métamorphosée en énergie, la chaleur convertie en la parole échangée, âtre, sans psychiatre N'y a-t-il quelqu'un Où ça C'est votre empreinte, Mister Artaud. Sinon, à quoi sert-il Et pourquoi est-il né Au nord du futur, à son tour, sur le cours, lance ses filets. Au rouen du souffle, il privilégie le lien sans cérémonie, le dialogue informe. Je égale-tu, la méthode du chemin d'amitié, ce méridien enseigné par Paul Celan, cette contre-parole psss, et en coupant le flux sur le fil du rasoir et ne traversant plus le cours, les chansons barrant la parole d'autorité. Le prix de la poésie est l'incertitude. S'il sépare le oui du non, il instille l'ombre en son message. Ilitch, autre moi-même, il limite le fleuve de parole au goutte à goutte, car le silence appartient aux communaux. Cette grille électrique diabolique dans la parole qui la prive de grains, de timbre, en la rendant haute, mot qui enclose, dès lors, Yvan l'observant du silence. Car le mutisme est plus éloquent. Ces conférences amplifiées cessent. Celles à l'université de Dublin, voyez-vous 8000 personnes dans ces eaux-là, corps étudiants, corps enseignants, agglutinés, tenus à distance de la parole par enceinte et micro, tenus en respect. Trois auditoriums, aula reliés par radio. Tsss. Quelques fossiles professoraux secoués par la déscolarisation, membres rassis de l'auditoire. Et ce contraste entre le propos libre divan et cette jeunesse oreilles grandes ouvertes, buvant les paroles du messager au-dessous du volcan, la nave de Kouer Navakale sous la montagne de neige fumante, celui qui nous arrache, nous les assoupis de l'âge de l'instrument. Il dit, la société d'aujourd'hui nous apparaît comme un théâtre de la peste. Le philosophe itinérant a fondé une université libre qui délivre. Sans délivrer de diplôme. S -E -N -E. Ah L'asile de fouille, hurle frappant sur le capot du taxi qui se barre. L'horloge de la mairie, le buste de Socrate dans le jardin, les tomates à peine mûres, la loge du portier manchot, le rang de peupliers endierlés, raides témoins aux cimes ployant sous la remembrance, car le vivant, c'est de la mémoire infusée dans l'inerte qui prend des couleurs. L'espèce de pavillon moche et dénué en bout de cour, la porte d'entrée vitrée et le grand arbre devant le banc. Voyez, Artaud dissec de ses yeux affûtés au vrai, un ouvrage vert cobalt qu'un visiteur du matin tenait en main, le livre de Gerasim Luca. Ça, c'est pour moi !» Artaud dit. Le visiteur, un peu protocolaire, n'a pas le choix. C'est comme pour la canne de Saint-Patrick avec l'autre. « Elle n'est plus à vous !» Artaud dit. À l'asile de fou, le divan, le séjour avec la grande cheminée, le, le tisonnier tordu sous coussinets, fer serpentiforme, et sur la cheminée, un portrait en buste d'Artaud par Denis Colomb photo courbée, tenue par un flacon d'encre et le marteau à gauche, manche pas cassée, deux billots bien, amo bien amochés, haches plantées dans l'un, marteau à posé sur l'autre, lit au milieu là, et les feuilles cançons au mur. Sans clou qu qu'est-ce qu qui fait tenir le dessin Feuilles murailles, fusainé remisées à même la vue, et les taches de sang séché dont il faut comprendre le dedans, partout le temps emprisonné. Les tomates à peine mûres englouties. Sur le divan à droite, Coventatori Rio -ri de Gerasim Luca, l'inventeur de l'amour. Merveille! Cependant, Carto écrit dans le cahier 334 Inia Il a ses idées. Denis Colomb offre un tirage du portrait d'Arthro à Micheline, épouse de Gerasim Luca. Denise dit à Michlim que Luca lui rappelle Artaud. Artaud dit à Prével qu'il n'aime pas les portraits de Denise Colomb, trop théâtral. Prével recopie dans Moartea, morta de Luka les cinq tentatives de suicide, non ne dit bien. Le livre est en roumain, mais les cinq hors texte en français. Tenez, tentative troisième. Je suis inspiré par un grand oiseau rouge qui déchire deux grands oiseaux pourris, qui déchire à leur tour un grand oiseau, un grand piano à queue. Au dîner, Artaud déplore d'ailleurs qu'il ne sait plus écrire. Petite Domnine, au cours préparatoire, vient vers lui. Elle pourrait lui apprendre. Parole passant l'air de rien, prise au pied de la lettre. Les voici achetant, cahiers, crayons, gommes, tailles, crayons, stylos, des plumes et des bûchettes. Petite Domnine fait faire des bâtons à Artaud. Duo de bâtonnets, bout de mots de bois tournés. En écrivant les objets, sa danse côté épiderme que Colomb déroule une grande feuille au mur. Le flash éclate par erreur. Quelle erreur Rien ne se déroule comme prévu. Les bris de verre volent, air et navre, la fumée blanche. Monsieur Artaud est pris de terreur. La photo, c'est le diable. Ses tics, ses heurts sont brusques. Quelque chose de plus que de la brusquerie. Le lit n'est plus au milieu. Maurice Roche s'inquiète de la chute du faisin. En lave, monsieur AA arrache la hache. De la table, il joint le geste à la parole, fonce, hurle vers le bio, crie d'ancrer, donne forme au gesticule, gélifie la parole. C'est qu'Henri Pichette, assis sur le bio, garde le tasset. Le ventriloque du diable lui crie ⁇ Fendons le crâne de l'homme libre !⁇ Marteau va. Artaud lève le tranchant menaçant. Pichette visée sans broncher, Martel en répond dans la langue d'Artaud, qui le pousse du bras en rage pour fendre d'un coup de hache la voix de Pichette. Roche, achou 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 ach 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 roche soulagée. Artaud tape à la porte de la maison à coups de heurtoir. Lève le tranchant menaçant. Plante dans le tronc sa rage, complètement frappée. L'écriture, c'est de la frappe, multiplicité broyée. Qu'est-ce à dire De la tape à la machine qu'il dicte plus prompte que les cliquetis de type marteau contre ruban. Les fautes de frappe servent d'amorce. Coup en vocifère frappant pour extraire le limon des noms. Même inspiré, fait Gesture. « Faut manger tous les jours, Maurice Roche. Songez que ceux contre qui vous luttez mangent trois fois par jour, » Artaud dit. Momo sidéré a de visu la canne de Saint-Patrick qu'il n'a jamais vue. Perdu à jamais de vue. C'est fou, c'est loufoque. La crosse de Patrick circonférant le puits purgatoires. Patrick de sa badine dessinant un rond ainsi se signe et soigne de son stylo. Depuis on a bien vu Arto marchant éructant, enfoncer la canne de Saint Patrick dans son lit, l'ifi, planter le taux pour que ça coule de source, évitant de parler au tout venant, car le puits de Patrick est rebouché et la bouche du puisatier Arto fermée. Mais c'est ma canne à moi, Arto dit. Est-ce d'un stylo cross qu'Arto se frappe le crâne durant la dite conférence, ou d'un clou, séance tenante, néant instauré, clou a trop râpé la tête d'A, a têté sans nuance son coccyx, et ça saigne sans soigner quand il fait le clou d'un coup de marteau. Car c'est la plaie et le couteau. Pas un geste dans l'assistance cloué sur place, et tout s'arrête d'un coup à cause d'escarres décorchés et les mains qui se croient et qui se noient. Vous me croyez Voici qu'Ilich prend son essor. Les assis au premier rang font face aux prédicats dressés au pupitre. Ils goûtent au grain de sel dans les mots de tous les jours. À jour de mots d'ordre phagocités à contresens de l'expérience vécue, du tenu pour vrai, véridiction, mettant au jour quelques notions mises à l'écart, laissées pour compte. Celle de la croissance négative, le désengagement par rapport à l'argent, comme celle de la langue maternelle dont la maternité n'est qu'institution, langue sevrée du vernaculaire réducié au langage enseigné, capitalisée, langue pasteurisée sous le joug des normatives bienséances et grammaires, qui conforment le parler vivant en expression momifiée, corrigée, la monolangue, une maison de correction. Faites-vous bien la différence entre lait maternel et lait du biberon? Ivan, éprouvant les axiomes non questionnés, fait du vélo. Il en fait une allégorie, un outil convivial, parfait en termes d'énergie pour élargir le rayon d'action. Illich, du royaume de la petite reine. À une certaine vitesse, seul l'impérialisme est possible. La vitesse grand V. Illich, toujours sans montre, pour ne pas manquer de temps ni en gagner. Il suggère aimablement la vélorution des institutions. Vaca, vaca, s'en prend à cette vache sacrée qu'elle école. L'organe reproductif de la société, le tue-joie d'apprendre qui oriente le savoir en consommation, fait coïncider la nature de l'humain et celle de l'institution. Un entonnoir en expansion contraire à sa vocation initiale, fonctions alitées. Illich met l'accent sur le contre-productif. Mais comment parler d'un capitalisme de l'intangible Le monde perd les pédales. À chaque phrase, Illich enfonce un clou de tapissier dans le plâtre d'un mur d'enceinte. L'entrain de l'auditoire est conforté par les R roulés du viennois. Principe Sa parole a cappella, avec une poignée de mots-clés sur le bout de la langue, déposée d'abord sur un post-it trois fois cinq, et les silences. L'allégorie d'une cordelette de silence avec des nœuds qui sont les mots. Parlando ponctué d'un sourire élargi, telles les rimes d'une épopée. Qui suggère sans donner de leçons de déscolariser l'institution du savoir, de déscolariser l'éthos de la société. La concentration de l'énergie est si tense dans la salle qu'une décharge électrique dans l'air est à craindre, qu'ils s'enflamment, l'œil bruniliché, pupilles pénétrantes à travers, oreilles en phase. Et qui lit-on en diagonale Que lire, c'est lier, c'est ramasser des branches pour igner ou dans la ligne, cueillir les grains, les gerres. Docteur Illich, il dit que de lesen dérive le gerbage des brindilles, que ça vient du vieil allemand lasen, rassembler, rassembler les éclabous de bois, assemblement de lettres, de bâtons, de burschtaben, car égal égale bâton, et bourse c'est le livre, l'œil ramassant les lettres, les ligaturant, par mots. Et que faire alors des présupposés imprégnant l'usage des mots Quelquefois, un élève apprend quelque chose d'un instituteur. Et chacun de nous se rappelle que quelquefois, pendant sa jeunesse, il a eu une journée, une heure, très illuminante avec un maître. Mais ça, c'est quelque chose de bien différent de ce que l'école enseigne dans le monde entier. Elle enseigne à l'enfant qu'il a besoin de l'institution pour apprendre il enseigne à l'enfant qu'il ne peut pas apprendre ce que un autre a jugé appartient à une classe supérieure il enseigne à l'enfant de se sentir classé par un bureaucrate l'école enseigne inévitablement à l'enfant que l'enseignement que la société respectera est le produit d'une institution établie par cette institution et par des experts qui savent comment produire cette marchandise. L'école inévitablement introjecte le capitalisme, la capitalisation du savoir, parce que c'est le capitaliste en savoir qui peut démontrer avec des certificats ce qu'il a accumulé intérieurement, auquel la société reconnaît une valeur sociale supérieure à celui qui a des... Des certificats d'action de niveau inférieur. L'école, dès le moment qu'elle est devenue obligatoire, et comme je t'ai dit, dans la majorité des pays, elle est obligatoire, mais insuffisante pour la grande majorité, même sur ce niveau obligatoire. Dans le monde entier, l'école a été établie comme l'organe reproductif de la société. La Russie se reproduit moyennant la même institution qu'utilisent les États-Unis. L'assistance pendant mille heures par année dans des groupements d'âge spécifique, d'une trentaine d'enfants autour d'un professeur, pour des années successives, pour accumuler intérieurement le savoir. L'école est à la racine d'une spiritualisation du capitalisme. Et il n'y a pas de possibilité d'alternative au capitalisme tant qu'on continue de capitaliser les gens en savoir pour une réalité qui devient toujours plus complexe pour pouvoir justifier la nécessité de cette capitalisation. Éduqué, pas éduqué, l'alphabet, al alphabète ou anal. <coughs> Artaud décréchant à toute allure le boulevard. Et derrière, Marthe Robert trottinant, tant qu'elle peut, je vais vous apprendre à mendier. Ça ne badine pas. Artaud progresse d'arbre en arbre. Ce qui compte, c'est la salutation à chaque tronc vêtu. Il se doit de toucher l'écorce de sa badine tong sans violence, avec tac, les fleurets. signe qu'il sait lire en l'essence. <coughs> Et l'écorce qui cache du mystère. Ainsi, A.A. des est-il en train d'écrire, tandis qu'on croit qu'il s'écrit qu qu par gesticule? <coughs> <coughs> si vous avez des remèdes pour le troisième. Évidemment, <coughs> euh, pas prévu. Hein. Bon, je vous prie de m'excuser. Je reprends. Ainsi, AA d'Eparnassan est-il en train d'écrire, tandis qu'on croit qu'il s'écrit par gesticule Sort de langage muet parlant, palabre avec les vingt-quatre arbres-lettres comme on l'apprend en Irlande. Ayelm, Ruis, Tin, Ailm, Ur, Der. Traduisez donc, monsieur Artaud. Voici qu'il fonce le trait, droit sur un bonhomme gris bien mis, et sans bégayer. Donnez-moi cinq francs L'autre en recul, ne voyant pas pourquoi. Ce monde m'a fait du mal, c'est que l'autre fait partie du monde. Il a donc fait du mal. Donc cinq francs, c'est pas cher payé pour son rachat. L'homme rédimé disparaît. Donc, comme d'un coup de baguette magique, voyez-vous, ma petite. Ça se conclut aux deux magots. Un jour, un jour, un jour devant la terrasse, Jean-Jacques Lebel, sous le choc d'une séance dentaire, traversant de la place Saint-Germain aimanté par ce drôle d'oiseau agité, né accroché à ses papiers d'un âge, feuilles à terre ou volant au pied du guéridon, tout au banc, sans tomber dans le vide fait par les anxieux, en quête du mot perdu, d'un monde perdu, par saccades en rature, avec un point de mire feu, geste sans cri, il a midi beau temps, et tout ce cinéma fascine le garçon de onze ans qui se poste. Regarde le monsieur. Mère poussant à l'avant ordonne « T'arrête pas, c'est harteau Mère rétractée déjà dans sa coquille, elle dit « Avance, on va rater le bus !» Le môme se retrouve encore à l'arrêt du 63 pour en finir avec le jugement de sa mère. Il sent bien qu'il faudrait parler à ce momo tout en parole, qui n'a rien à coquillard. Faudrait voir ce visage penché qui porte une espèce de mort dévisagée. Et qu'aurait-il pensé en voyant la bouche édentée du ratatiné L'éclaireur à l'avant-garde d'une armée, cyclette le flash reste rétiné. À cette nova, Lebel veut revenir le moment venu, et sur le tremblement inspiré, une fois le temps recourbaturé, l'air replié vers le verbe agissant. Et c'est peut-être à lui, un jour, de sauver ce visage, en lui rendant ses traits, sa voix crie d'un seul coup d'œil qui vocifère dans la tête de Jean-Jacques Lebel jour et nuit. La parole radiophonique d'Artaud dort en cire, oubliée dans la sylve mécanique, placardisée sous verrou, au secret. Exclamation interdite. Anarchive qu'il est temps d'exhumer. Flux élargi hors de soi, extirpé de l'inarmoire une nuit, du transitoire au transistor. Soulèvement de la jeunesse contre les piètres pitres Voici qu'invective l'autre polyphonique François Dufresne à la mémoire d'Antonin Artaud. Et François, pour Jean-Jacques, c'est l'oiseau des phonèmes. La poésie directe naît de cette épiphanie reniée, renée, cette bande subtilisée à l'épique maison de la RTF. Le Lebel la positionne sur le Grundic, bouton pressé, de l'inouï en sort, en compagnie de Ginsberg, Geising, Burroughs, Corso, voix d'Artaud piratée, magnétique, toute charabier, folante, orgue organique renversante, parlando d'eau tout au figuré, transfiguré, victoire sur la langue corsée. Et puisque JJL a tout juste vu AA à l'instant d'une surface, il veut à présent accéder au corps sans organes en son dedans. Il met la main sur les radiographies de Momo, le dossier bleu de Rodez vendu par la fille Ferdière. Jean-Jacques touche l'encre rouge entourant la fracture lombaire. Preuve que le psychiatre ment quand ne simule pas. Les malades et les médecins, la maladie. Est un état. La santé n'en est qu'en eau. Plus mort, que veut dire plus large et plus mesquin. Pas de malade qui n'est grandi. Pas de bien portant qui n'est un jour trahi. Pour n'avoir jamais voulu être malade, comme tel médecin que j'ai. J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer. ayant refusé de répondre aux 86 questions de la congrégation pour la doctrine de la foi, lesquelles embrassent tout l'univers, au sous-sol du palais de l'Inquisition devant une solide table en bois, pleine de dossiers, il y a, c'est tout un art, une scéno. Et pourquoi Et pourquoi diable cette joute élocutoire À la question, Illich incarne l'hérétique. Il argumente pour parle. Et d'un raisonnement par l'absurde, S'en prend aux conclusions contraires aux principes de l'Église. À l'issue de l'épreuve, l'inquisiteur déclare « Allez-vous-en, ne revenez jamais. » Et le mur de silence les sépare. Caricature de la cléricature, clergicature. Ii, -I, cerveau brillant, fils de cette mère indigne qu'est l'Église, à ce qu'il dit. Fils de cette putain qu'est l'Église, à ce qu'il dit. Une multinationale marâtre. Le choix est fait. Hélène Rose, sa mère adorée. Séfarade converti au protestantisme, converti catholique romaine, grands-parents de Tchernovitz, famille maternelle Auschwitze. Ivan pris en otage au collège, servant de modèle avec son nez. Tupisch Juden. Ivan aimanté par les poèmes de Paul Zelan et Rose Ausländer. Qui gravite vers sa deuxième origine, l'aide à traverser comme eux les ténèbres de la langue des génocidaires, à la décontaminer autant que le langage de l'industrie, celui des administrateurs de langue. Le penseur d'une théologie politique apophatique soutire bel et bien son chapelet de la poche, son paternostre, et soudain, Ivan se joint à la procession des communions durchant le hameau de l'île d'Aran. Coil, Drumna Coil, and coal. Coil, Cold and qualified, qualified Water. Why? Quoi des trois? Balina Hinch River, Baliki, Anahilt, Akilmore, Coil of Islandmore, que voilà qualifié en Anacloy River, où confluent le Balina Hinch et la Carsons Dam de Kroska. Calling on the QT, ça veut dire quoi le QT ou le TQ? Titanic Water, sur la Luggen River, Queen's Cay, Quell Queen, quand voilà nacloy, qualifié en Coil, the Coil Side, the Coil Valley Lowlands, the Coil Pondage National Nature Reserve, the Coil Bridge, Downpatrick, Coil Park, Coil Terrace, Coil Crescent, Coil Castle, Coil Taxi, Coil Yacht Club, Coil Intermediate School, Bass Coil, Coil Tavern, Coil, Till and Bathroom Center, St. Patrick Center, Coil K, and Steel Boat K, Coil Car Center, Coil s 3 Ballyquinting Point, Killard Point, Kearney Point, Coil Point, Coil Birthwatching, Au nom de la Trinité sur l'île du Trèfle, à quatre feuilles, parfois c'est du bonheur. Intra trifum triforium trifoliorum. Saint Patrick conquiert le dernier des adorateurs de l'eau, du feu et des arbres. Depuis, les gens d'Aran s'agenouillent et se taisent, tous en Irlandais. Et depuis, ils ne narrent des histoires que bègues. Ces fables qui ne proviennent pas des pierres mais du coin du feu. Cette fois, la bouche se remplit de cailloux, la langue est privée d'outils langagiers tels que le marteau d'Artaud. Et le marteau parle, il n'y a plus de triscal. Et depuis le temps de Dieu et de la Dieu, c'est ainsi. Tout œuvre qui soit, la canne de Saint-Patrick est celle de Jésus. Et puisqu'Antonin Artaud touche la canne intouchable, Jésus sais-je Jésus, ah Cruciale fiction. Christ en la largeur, Christ en la longueur, Christ en la hauteur. Looking for Baby Jesus under the trash, Arto rejoint, rejoint bientôt Tolka. Et si la canne jésufiée a séjourné rue à guerre, c'est pour que M. Arthaud parle au nom de Dieu au milieu du tonnerre, parle de la guerre, prêche de, du Christ des catacombes contre le catholicisme visible, under wetter. Bientôt Arto ne signe plus, ne tonnerre redit plus rien en son nom, car il y a un secret en ses eaux natales. N'est plus Arto d'ailleurs, avec fils contre père. Contre Saint-Esprit, contre Christ-Shiva, triade contre Trinité. Il est avec Shiva-Fils, triade Brahma-Shiva-Vishnu. Il entonne avec le dieu Thor du tonnerre, tonnerre -vêteur. brum, brum, cum, brum, thunder, avec son marteau. Arthaud à l'appareil, paratonnerre dans le tonnerre de bégaiement divin corollaire à la création, pas d'échappatoire, nom de nom, de nom, de nombre, deux origines, toujours pour M. Arthaud qui bégait, le berceau est à roue. Il y a un antérieur au commencement, un avance qu'on croit. On croit à reculons. Quand la fin druidiste et le début christianiste se côtoient, quand les méga controverses n'ont pas commencé et que Yeshua est encore demi-frère de Dionysos, que Myriam de Magdala est demi-sœur d'Aphrodite. Il y a pour Saint Patrick l'ineffable avant l'origine, un Patrick plus vieux qu'on ne le croit, Ego Patricius Peccator, moi Patrick pêcheur le plus rustre à qui manquent les mots. Oh oh! Le voilà traçant de la pointe de sa canne un cercle, une roue, un cycle où le serpent n'entre jamais. Le whisky paddy remède contre la morsure de serpent n'a plus lieu d'être. Depuis, la crosse du bâton d'évêque est en serpent. Oh oh! Saint Patrick, si longtemps ici, sa vie illustrée en 39 épisodes, la statue sans crosse, sauvée des combres, posée sur dalle. Or, sur l'emplacement de l'encombrant bâton, rien! Que dalle, mi-connaissance de cause. Artaud, Guntapité arpente le dallage en mandorle rouge, tomette sur orange, vermeil, rouge vorle au pistil, fleur de lysée à trois chamroques de trèfle Partout, il fouine. Silence de trente-neuf minutes. Oh, mot de l'effable. Oh, 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 le grand orme. L'orme de la compagnie de Jésus, gardienne de la clé, une dernière chance de savoir où fut accrochée la canne en la cathédrale, le bâton même. -E -E. Artaud égorgerait celui qui pénétrerait dans le dortoir du pavillon des agités, sans sitôt débarrasser le plancher. Idem égorgerait l'ours qui aurait le culot d'entrer dans la chambre de Van Gogh, dont le parquet est rose comme une roseté. Prose, c'est couru d'avance. Monsieur Artaud passe au pas de course devant l'étoile de Van Gogh. Circuler. Arto maintient serré sa chaussure à l'heure de la rosée, affalée au pied du lit, peut-être d'une dose trop élevée de l'odanium. Et le vide laissé autour de la dépouille par ses amis qui l'avaient vidé, le portrait colombé sur la cheminée. Pour mourir, encore faut-il y croire. Le lit des choses se referme, et du haut du corbillard perché, vu de dos avec son bicorne noir, le cocher soudain se retourne sans raison, regarde à gauche. C'est le visage d'Artaud qui conduit son propre cercueil, une fois pour toutes. Sa tête et ses mains font signe, et il dit non. Vous l'avez vu Quant au dernier mot de son Van Gogh, c'est Popocatépetl, car la langue est une coulée de lave. Ça veut dire quoi Weser, W-E-S-E-R. « Faut pas manquer l'heure de notre mort, monsieur Illich. Faut être là, quoi. » Yvan s'endort sur le canapé. « Douleur, où es-tu allé ?»« Douloir. »« Lamenta. »« Fini la mort. »« À la place, il y a lueur. »« Votre vocation à la jeunasse venue avertir Ninive s'achève. »« Fin de l'exil du corps de la trame de l'histoire. »« Claire, moi »« Peut-être une dose trop élevée d'opium. » quelqu'un lit son texte ultime à la cérémonie la voix énonce que le passé peut être remémoré que paul Tselan savait que du monde que nous avons connu il ne reste que de la fumée et pourquoi donc au cimetière luthérien ivan bénéficie de la tolérance aux étrangers morts au loin les lointains prennent le chemin des enfants de cœur une rose simple croix de bois dans la maison des vivants bevet arahim Rose au repos. Vous le voyez, le volcan Quoi Yvan ne nous laisse pas tomber. Merci. Les amis vont revenir. Ils se cachent. Mmh. Donc euh, Michel et moi tenons à grandement remercier Fabrice pour tout le travail qu'il a fait en collaboration avec euh, la Maison de la Poésie. Nous remercions bien sûr aussi euh, la Maison de la Poésie, Olivier Chedanson, et aussi bien sûr euh, Patrick et François à la régie qui nous ont bien aidés. Voilà. Merci d'être avec nous euh, et à la prochaine.